Regarde comment j'économise 50 euros par mois, c'est pas génial? Hello, bienvenue sur ma chaîne de Hi Jen. Je me présente, je m'appelle Jenny et les plus intimes m'appellent Jen. Je suis très contente aujourd'hui de faire cette vidéo et j'espère que tu vas bien parce que moi je pète la forme. Je vais te montrer comment est-ce que je rase les cheveux de mon fils parce que oui, je le fais moi-même. Je suis assez fière de dire que je rase moi-même les cheveux de mon fils. Bon, même si c'est vrai que je ne m'occupe pas du haut de sa tête parce qu'on aimerait bien laisser pousser et qu'il puisse refaire une queue comme avant, c'est vraiment trop mignon. Donc du coup, je rase vraiment juste le contour, mais quand même, voilà, il faut le faire, il faut oser. Dis-toi que si un tel peut le faire, toi aussi tu peux le faire. Donc voilà, si toi aussi tu veux te lancer, un petit conseil, fais-le au début des vacances, comme ça, si c'est raté, ben c'est pas grave, il y aura la repousse et ce sera ni vu ni connu pour la rentrée. Petit aparté, je voulais m'excuser pour le format en faisant mon montage. J'ai voulu zoomer pour que vous puissiez mieux voir et en zoomant, ça a changé le format. Donc j'espère vraiment que la vidéo va passer. Bon, en même temps, si elle passe pas, je la mettrai pas. Mais en tout cas, j'espère qu'elle va passer et surtout, j'espère que tu me pardonneras. Promis, je refais plus. Du coup, allez, je vous laisse avec la vidéo. Y aller petit à petit. Toutes les deux semaines, je lui fais sa petite coupe. Et franchement, j'aime bien faire ça, surtout quand les résultats sont bons, c'est très gratifiant. Ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais je préfère y aller doucement, mais sûrement. Vous avez vu le changement? Oh, là je le disais, mais regarde comme tu es beau, oh mon fils. Franchement, là, je viens d'économiser 25 euros. Oui, 25 euros la coupe ici en Flandre. Donc ça me fait 50 euros d'économie par mois. Il est tout beau, tout propre et on n'a même pas dépensé un sou. C'est vraiment bénef. Quitte entre rien à rien. D'ici là, porte-toi bien. À bientôt.